Salut à tous, donc comme prévu on s'est retrouvé en bas de la montagne et j'ai fait un tout petit peu de level, voilà, son est niveau 13. Et son c'est le plus important là parce que vous allez voir que... Enfin je vais pas vous spoiler, vous verrez bien. Et voilà le dirigeable de Ramirez, voilà, qui se fait voler. Qui suppose que c'est Dune et son pote, je me rappelle jamais comment il s'appelle. Voilà, et ça tombe bien puisqu'on devait justement aller à la Tour des Braves. On y va directement par le fort, voilà. Donc elle se trouve à Danelf. Hein. Si vous vous rappelez bien, à Danelf, on doit d'abord passer à Danelf pour aller à Crinou. Et c'est justement là où se rend Risa, donc on va la rencontrer, voilà, avec Pipin, etc. D'ailleurs, si j'avais continué le scénario de Risa, bah, je serais tombé sur cette scène. Voilà, donc ils discutent. Et là, les deux Jade entrent en réaction. Décidément, hein, que de coïncidences, on n'arrête pas de rencontrer tout le monde. Ah oui, et dans cette vidéo, je crois pas que j'aurai le temps de faire des requêtes, enfin pas au début en tout cas. Donc là, on va aller au dernier défi de la Tour des Braves, mais avant, on va se rééquiper, enfin rééquiper si on. Voilà, donc on va tout d'abord acheter une meilleure arme. Donc je vais prendre une arme à deux mains, donc plus de bouclier, tant pis, mais elle est beaucoup plus puissante, donc voilà. Ainsi que un bouclier, on s'en fout du coup, ainsi que la meilleure armure qui est une armure de feu, donc vous allez voir ce que ça fait. Donc du coup on est resté en feu, mais c'était déjà le cas grâce à ça, voilà, bague de type feu. Donc on va mettre la Hector. Du coup, on n'a plus besoin de ça puisque on a déjà un truc qui reste au feu. C'est pour ça qu'on va la donner à elle et qu'on va prendre ça. Voilà. Donc ça c'est bon. Axis on enlève. Puisqu'on va prendre Sleipnir, voilà. Donc on a une meilleure armure et une meilleure arme. Putain, il a que 4 PM ce con. 8. Enfin, 4 sur 8. Et on va, donc ça c'est pas obligé ce que je vais faire là, mais on va le faire quand même pour le fun. C'est à dire qu'on va aller, on va se trouver où est-elle? Non, bon là je traîne encore comme un con. Je crois que c'est là, mais je suis pas sûr. Je crois bien que c'est dans cette ville. À moins que c'était dans la ville d'avant là. On avait pris le bateau. Ouais, je me souviens plus. Bon, en fait, je cherche l'église. Bon, vous savez quoi, on s'en fout. Parce que de toute façon, je mets 3 plombes et j'y arriverai pas à la trouver. J'ai le sens d'orientation dans le cul. Et voilà. Et je perds du temps pour rien en plus.
Non, c'est pas ça. Bon. Donc on va à la tour d'épreuve. Pour notre dernier défi. Voilà, donc. Oui, un homme dénommé Thalès. Ça fait 10 ans qu'il a vaincu le truc de la Tour des Braves. Le défi. Donc là, on monte. Là, on voit le gars qui sait pas quoi dire que quoi en terre, ça, il décrit tout. Et allez, go! Voilà, donc Thalès c'est le dernier à avoir vaincu la Tour des Braves, enfin, à avoir bravé les défis de la Tour des Braves. Et donc il avait battu cet homme. Et j'ai oublié de me soigner, bon c'est pas grave. Je crois que je suis à fond. Hein. Voilà. Voilà, et là comme vous voyez, on peut pas, il n'y a pas de truc qu'on peut pas choisir en fait. Car voilà, question d'honneur, donc du 1 contre 1. Et c'est parti. Donc en fait, la principale caractéristique de ce boss, c'est les dégâts qu'il fait. Il est assez rapide aussi. Donc là, si vous avez des magies pour augmenter comment voilà, je me serais pris 42 dégâts dans la gueule si je ne m'étais pas protégé. Ouais, pour augmenter la force ou la défense, n'hésitez pas. Voilà, et à partir de maintenant, il fait plus de coups de poing, mais des quick. Voilà, coups de pied quoi. Et il fait beaucoup plus mal. Donc il n'a pas énormément de vie, mais il est il fait énormément de dégâts quoi. C'est pas trop risqué, je vais prendre des plans. Voilà. Et je vous conseille d'avoir un maximum de plantes. Merde. Ouais, son point de feu il me fait pas très mal vu que j'ai un truc qui me protège du feu. L'armure. Oh alors la pute, mais je vais le défoncer, c'est pas possible. Putain, quel con cet enfoiré. Oh, excusez-moi de la vulgarité, mais j'en ai marre là. Putain, j'ai failli le buter en plus. Hein. Donc voilà, si vous voulez vraiment le battre facilement, vous foutez au niveau 15 et hop, tranquille. Bon bah désolé, hein, c'est ma première défaite. Je sais pas s'il y a moyen de passer les dialogues rapidement. Non, je sais pas. Voilà. Ah. Ouais, cette fois, je vais le défoncer.
Bon, après, c'est aussi un petit peu une question de chance, hein. C'est-à-dire si il nous loue. Ouf, 145. Bon, de toute façon, il m'aurait pas tué. Vous voyez, c'est, je vous dis, c'est un peu de la chance aussi avec les critiques et tout. Il faut absolument avoir 9 plantes parce que sinon on est dans la merde. Voilà. Là, ça veut dire qu'il est dans la merde hein, s'il se soigne. Et voilà. Bon, désolé de ma première défaite qui a fait perdre un petit peu de temps. Mais bon, j'aurais pu le battre avec un niveau plus élevé aussi. Voilà. En fait, le truc que je vous avais dit dans l'église, en fait. Si on avait vu la scène, ben voilà, on aurait su que c'était le prêtre. Enfin, ça sert à rien. Voilà. Donc ça c'est important. Le bruitage. Voilà, maintenant qu'on a fini la tour des braves, notre objectif c'est de retrouver Thalès. Donc qui est le général en fait. Et là, vous voyez l'éclipse, donc si vous vous rappelez qu'est-ce qui s'était passé dans le scénario de Silent, bah, c'est que les Rudras sortent des pierres lagos. Voilà, Ramirez nous avait dit, quand on a vu le dirigeable s'envoler, qu'il y avait une machine à l'intérieur de la tour, donc voilà. D'ailleurs, je suis con, j'aurais dû rééquiper tout le monde, rééquiper Caution. Thank you.
Voilà. Ouais, j'aurais dû rééquiper tout le monde en fait. Donc là on peut pas. Ah oui merde. Non, ça non plus on peut pas. Faut passer par l'autre côté. Pas d'ennemis, c'est déjà ça. Et merde, 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 par où on passe? Là, je vous avoue, je suis un petit peu paumé. Ah oui, bah oui. Voilà, donc en fait, ils sont dans les airs, quoi, hein, tout simplement. Donc là, ce jeu, moi, la première fois, il m'a surpris, mais c'était un truc de taré. Parce qu'il se passe plein de trucs, quoi. Un perso qui meurt, on se retrouve dans le ciel. Enfin, c'est vraiment des trucs. Enfin, voilà, c'est des trucs qu'on voit jamais dans des jeux, quoi. Alors, au premier abord, ça peut paraître un RPG, voilà, classique, pas terrible, scénario sauver la Terre, machin. En fait, quoi, il y a plein de rebondissements, quoi. Et allez, c'est parti. Voilà, vous voyez Ramirez qui en sait beaucoup quand même. Pour cause, puisqu'ils le connaissent. Ouais, voilà, dans une île, une espèce de ville dans les cieux. On va se rééquiper ici. La petite musique. Hop. Alors, fion. Oh là, ils se foutent de ma gueule là. Arc-feu. Oh putain. Ils peuvent pas me faire un. Ils font pas un rabais pour les Yeti. Fion, fion, fion. Putain, dire que j'avais gâché 20 millions de trucs là. Bon, on va falloir revendre. Voilà. Alors, équiper les fions. Ah merde, ce n'est pas demain aussi. Bon, vendre. Alors, c'est le pnir, ouais. Un joueur aussi, cristal. Oxys, non. Pierre, voilà. Ça me fait 8800. Je vais pas lui acheter un truc parce que. Ça, lui ça sert à rien. Ouais, je me lance, je vais pas acheter ça plutôt que ça en fait. Que ça j'en ai acheté un en fait. Et ça va. Et on va se quitter. Oula, on va se quitter ici. Hein, parce que là j'ai plus trop le temps. Et voilà. Donc là, je crois que j'ai plus assez de fric pour payer autre chose. Ouais. Donc voilà, ben on va s'acquitter ici et on se retrouve à la prochaine fois. Donc je sais pas si je vais changer de scénario ou pas vu qu'on est au jour 5. Ouais, je pourrais reprendre Risa, ouais. Donc ouais, je vais reprendre Risa. Donc voilà. Allez, à la prochaine.